Bonsoir à tous. Donc je vous fais découvrir une de mes créations, une ma baguette fruit de la passion. Eh oui, vous avez bien entendu, son surnom que je lui ai donné, c'est fruit de la passion. C'est une baguette que j'ai réalisée il y a un moment, déjà il y a pas mal de temps, et que j'ai voulu créer un beau manche et tout ça. Et après, bon, je vais rajouter sa hampe. Voilà. Donc le bois ici, le manche, est en hêtre. Et la hampe ici est en sapin du Nord. Voilà, additionné, sapin du Nord et hêtre. La jonction est ici entre l'anneau en laiton, que vous voyez ici. Voilà. Il y a trois morceaux, une, deux, et le trois qui traverse l'ensemble. Pour sa solidité puis sa rigidité. Voilà. Donc je l'ai choisi dans cette teinte-là pour la passion, mais aussi pour les couleurs de Griffon d'or. Donc, mais quand j'ai vu la boîte, puis que j'ai vu ma baguette à côté de la boîte, je me suis dit, oh, il faut que je la mette sur la vidéo, c'est trop joli. Ça correspondra bien à un Griffon d'or, voilà, que je suis. Donc voilà ma baguette, fruit de la passion. Donc je vous fais voir les détails. Elle est superbe. Voilà. Des teintes que j'ai mis plus ou moins à certains endroits pour donner cette couleur, cette différence. Voilà. Et son fibre, son joli fibre, dans un sens et dans l'autre, qui reçoit et qui donne. Voilà. Elle est superbe. Voilà. Elle est magnifique. Il y aura vraiment un fruit. Baguette de gaieté. Alors, elle mesure 35,5 cm. Voilà. C'est la mesure que je lui ai donnée. Une baguette que j'ai donnée vie sur une beauté. Donc, j'avais décidé à cette époque de faire une baguette de gaieté. Parce que beaucoup de baguettes sont trop foncées, et souvent. Donc j'ai décidé de faire une baguette de couleur. Une baguette où il y a de la joie, il y a du fruit, il y a de la vie. Voilà. Du fruit de la vie, donc la baguette fruit de la passion. Je trouve que j'ai bien réalisé, qu'elle est splendide. J'attends vos commentaires pour vous me dire ce que vous en pensez. Une belle baguette pour un Griffon d'or. Voilà. Elle est superbe. Vous n'hésitez pas à commenter. Salut les sorciers, salut les sorcières!